C'est un Joe Biden à la fois combatif et détendu qui s'est exprimé ce mardi devant le Congrès américain. Une prise de parole axée sur l'unité de la nation, la mise en avant d'une classe moyenne écrasée, mais aussi le contexte international marqué par la guerre en Ukraine. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people tonight. We're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here. United, we're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Because we're going to stand with you as long as it takes. Il a aussi été question de la Chine après l'épisode du ballon présumé espion abattu par l'armée américaine. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Un moment fort du discours, Joe Biden a fait applaudir les parents de Tyree Nichols, jeune homme afro-américain mort après avoir subi des violences policières, mais aussi Brandon Tsai, qui a réussi à désarmer un homme lors d'une fusillade en Californie. L'époux de Nancy Pelosi, violemment agressé par un homme proche des milieux complotistes, a également été mis à l'honneur.